Bonjour batteuse, batteur qui souhaite progresser et se faire plaisir. Aujourd'hui, je souhaite te parler de l'art du déplacement d'accent, mais en finesse. Par rapport à une précédente vidéo, où j'avais montré des breaks qu'on pouvait jouer d'une manière puissante. J'en profite pour te rappeler que tu peux recevoir gratuitement la partition du jour. Tu trouveras le lien dans la description. Comme une précédente vidéo, je souhaite donc t'amener à jouer des breaks en finesse, avec un déplacement d'accent, donc le même motif rythmique qu'une précédente vidéo, un déplacement d'accent à la croche pointée. Donc ce qui donne 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Et là, la particularité aujourd'hui, c'est de te proposer de faire chanter les accents de la même main. Donc, deuxième exercice préparatoire, tous les accents, le même motif rythmique, mais main forte. Hein, si tu es droitier, main droite, si tu es gaucher, que tu as la batterie, tourner en gaucher, main gauche. 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et Bien sûr, dans un break, on peut très bien jouer en coup simple, hein, si la musique demande un jeu simple, et c'est efficace et très bien. Là, ça sera plus fin, on va amener plus de technicité, avec un débit en note fantôme, dans un débit donc double croche, mais joué par la main inverse. Donc, exercice préparatoire suivant, toujours à tempo lento, en faisant attention à bien marquer le temps et à ne pas se décaler hein, au niveau de la charlée. 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et hein, le piège, c'est surtout au troisième temps, il faut faire attention. À présent, une interprétation parmi tant d'autres sur les tomes au niveau des accents et le débit, toujours main inverse en piano à la caisse claire. Donc, tempo lento. Exercice suivant, 3 et 4 et... Donc toujours important de démarrer déjà un peu fort et après on baissera après en suivant le tempo et en contexte. Hein. Et enfin, dernière phrase que je te propose aujourd'hui, les accents, grosse caisse, ride. Et toujours notre remplissage dans un débit double croche à la main inverse à la caisse claire. 3 et 4 et... Là, amène progressivement, un peu de vitesse. Retrouvons-nous à 55 à la noire. D'abord, accent tome, puis après accent grosse caisse ride. 1, 2, 3 et 4. Et... Pour terminer cette vidéo, je te propose de nous retrouver à 110 battements par minute avec 3 mesures de rythme, break tom, 3 mesures de rythme, break, grosse caisse, ride. 1, 2, 3, 4.